Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mercredi 28 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, 28, 8 et 2, 10. On enlève le 0, on a le 1. Le 1, c'est le symbole du commencement, du renouveau, de la réussite en tout, puisque c'est le nouveau départ. On peut avoir confiance en son projet. Si on veut démarrer quelque chose aujourd'hui, c'est le moment. Bien entendu, parce qu'en 1, c'est une évidence. Alors, professionnellement, ben, ça peut être le début d'un nouveau travail, des nouvelles perspectives aussi qui s'annoncent à vous. C'est-à-dire que peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites en ce moment. D'ailleurs, c'est un tout autre domaine. Hein. Professionnellement également, on peut avoir des nouvelles responsabilités aussi. Sentimentalement, là, il est temps de faire table rase du passé, c'est-à-dire qu'on s'engage dans une nouvelle relation, en couple, on démarre vraiment quelque chose, on met en place un nouveau projet, on décide vraiment de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, notre côté positif de notre 1, évidemment, c'est qu'on est volonté, on a de la volonté, je veux dire, et de la détermination. On est très courageux et on a une envie forte de réussir. On est assez tenace, hein, en fait. Par contre, côté négatif, on peut se montrer entêté. Entêté, être vantard, un point aussi de ce côté égoïsme, vous savez, et impulsivité. Alors, notre mercredi associé à Mercure, ben, c'est la communication et la négociation, prise de décision, les échanges. Et ben, c'est le moment en plus en 1, j'ai envie de dire. Allez-y, foncez les amis, nouveau projet, c'est le moment. Couleur associée à notre mercredi, le vert et le multicolore. Alors, on va regarder tout de suite avec Monsieur Augure Blanc. Quel message, conseil, mise en garde pour notre journée du mercredi? Et nous avons éclamé, oiseau dont la patte ou l'aile est cassée. Vous pourriez rencontrer aujourd'hui des personnes, une personne qui présente une blessure, alors apparente ou pas. C'est-à-dire apparente, bien entendu, quelqu'un qui va vous dire « je suis tombé hier, avant-hier, j'ai le bras dans plâtre, la jambe, voilà, quelque chose comme ça ». Et non apparente, pourquoi non apparente? Ben, ça peut être tout simplement quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Quelqu'un qui est en dépression, par exemple, hein, tout simplement. Donc, il vous est quand même recommandé aujourd'hui d'user de paroles réconfortantes, de privilégier également l'écoute, mais pourquoi pas apporter son aide et son réconfort sous forme d'écoute, de réconfort. Voilà, c'est l'échange et la communication aujourd'hui pour alléger un fardeau, le fardeau de quelqu'un. Mais vous également, vous pouvez avoir besoin d'alléger votre propre fardeau. Vous-même, vous allez peut-être avoir besoin de parler, de demander de l'aide ou un peu de soutien. Et auquel cas, il ne faut absolument pas hésiter. Les amis, voilà avec éclamé. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32 pour notre journée du mercredi 28. Mercredi 28. Mercredi 28. Et à la coupe, nous avons, bien dites-moi, c'est la carte la plus forte. Ça. Donc, ça démarre bien. On a de très, très bonnes nouvelles qui vont arriver en lien avec l'extérieur, en lien d'une autre ville, d'une autre région, à notre département, qui viennent peut-être de l'étranger, d'une situation en tout cas externe. Hop, avec un homme, en lien avec un homme, je vois que, hop, voilà. Pour un nouveau départ avec un homme, eh bien, de très bonnes nouvelles qui arrivent, les amis. Attention cependant. Alors, si c'est sentimental, c'est une ex qui rôde. Si c'est familial, c'est un membre de la famille. Si c'est dans des papiers, je vois des papiers là. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous enquiquiner. Hein. Mais de toute façon, vous avez la carte la plus forte dans le démarrage de votre projet. Qui peut concerner familial, maison, projet de couple, projet sentimental, bien entendu. Projet de maison, mais également héritage direct. Là, il y a de l'argent qui est là ici, mais je percute à voir tout à l'heure cette dame. Donc faites attention au niveau familial, vous avez quand même une femme vénale hein, dans la famille. Hein. Bon,
Je pense que vous le savez déjà. Allez, nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop! Et au dos, nous avons... Alors, nous avons un rendez-vous inattendu, un imprévu, un entretien aussi qui peut avoir lieu, tout simplement. Un entretien qui va se solder par une signature. Il y a un accord qui est passé suite à un courrier. Vous allez ressortir avec ces courriers. En tout cas, il y a un accord. Voilà. On a un face-à-face, là, les amis. Hein. Un face-à-face qui vous a bien tourmenté quand même, qui a fait tourner les ménages. Et c'est avec la carte la plus forte que nous retrouvons donc de très bonnes nouvelles. On a en dominant... La maison, la famille, le foyer, des projets de cœur, des projets familiaux, des projets d'achat, vente. En tout cas, il y a des démarches qui vont se faire, des petits déplacements, beaucoup de palabres, j'ai envie de dire. Ah, bon, attention, autour de ces déplacements dans la famille, vous avez de la trahison. Des gens pas sympathiques et qui peuvent être autour de votre maman également. Donc, on est bien dans le domaine familial. Hein. Nous avons également des gens très... des gens non dignes de confiance pour vous, autour de vous, si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Maintenant, ça peut être un problème de famille avec votre maman directement. Hein. Pour certains, bien entendu. Il est question de départ, là, de nouveau départ. Alors, maintenant, il peut y avoir un souci de grossesse également. Ça peut... vous pouvez très bien mal le prendre. Là, nous avons un nouveau départ. Quelque chose qui démarre, qui est un peu retardé. Il y a un retard dans cette situation, peut-être justement à cause de lui. C'est peut-être en lien avec votre fille, votre meilleure amie. Non, votre fille et votre sœur, pardon, je viens de tourner la tête. Votre fille et votre sœur, hein, qui est légèrement retardée dans son projet. Ou vous, si vous avez les cheveux clairs d'abord, hein, c'est vous qui pouvez être légèrement retardée dans vos projets. En lien avec votre maman. Votre maman peut vous retarder également. Vous pouvez avoir un petit bis-bis avec votre maman. Hein. Alors, maintenant, on voit très bien qu'il peut y avoir un petit souci au niveau travail. On démarre quelque chose de nouveau qui a été reporté. C'est un souci, bien, c'est un bien grand mot, hein, mais... un petit retard. Bon, il est question quand même de l'activité de tous les jours, là, également. Parce qu'il est question de changement. Eh oui, est-ce que vous changez professionnellement? Est-ce qu'il est question de changer? Est-ce qu'il est question de déménager à cause de son travail? Ou est-ce qu'il est question de changer de travail parce qu'on déménage? Bon, on voit très bien ce changement, en tout cas, qui est là. Et c'est une réussite, les amis. C'est une réussite. Il y a un triomphe dans ces changements. Très officiel, nous avons le roi là, que ce soit au niveau famille, foyer, professionnel, peut-être certains vont créer leur entreprise à la maison ou travailler de chez eux d'ailleurs, c'est une réussite. C'est validé avec certitude. Et il y a également l'argent ici, donc enfin, si c'est en lien avec un héritage, c'est validé. Si c'est en lien avec un achat-vente, c'est validé. Il y a un beau changement qui est là. Faites attention quand même à ce valet de pique. Je vais en mettre une hein, sur lui. On voit très bien que dans la maison, dans la famille, il y a peut-être le docteur aussi, mais je ne le pense pas. Pour moi, c'est un homme officiel. Alors, il y a peut-être question de travailler de sa maison. Hein. On démarre peut-être cette situation. Nouveauté. Hein. On a peut-être déménagé à cause de son travail. On a peut-être changé de travail. Du coup, on déménage. En tout cas, il y a du changement au niveau famille. Foyer, maison. Il est bien question d'un nouveau départ. On va pour ça faire pas mal de palabres, de démarches. On va peut-être se déplacer. Avec certitude, quelque chose va être validé concernant le changement qui avait été un petit peu retardé. Maintenant, il peut y avoir un retard à cause des gens pas sympathiques autour de vous ou en tout cas en lien avec une situation de retard. L'argent est là. C'est une belle réussite pour vous si vous avez les cheveux clairs. Ou pour votre fille ou pour votre sœur. Et en tout cas, également pour vous si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Allez, j'en mets une sur le valet de pique parce que, hormis lui, vous avez un beau tirage. Oh, c'est la signature. Donc, effectivement, bah, ça peut être tout simplement que la signature, si vous avez rendez-vous à 14, elle aura lieu à 15h ou 14h30. Vous voyez, elle est retardée, reportée, mais elle n'est pas annulée. Donc, rien de bien méchant. Alors, les 7, nous en avons 1, 2, 2 seuls. Les 8, 1, 1, 1. Les 9. 1, 2,
Les 10. 1, 2, ben c'est par 2. Hein. Les valets, il n'y en a qu'un. Les dames, il y en a deux. Les rois, il n'y en a qu'un. Et les as, par contre, vous en avez 3. 3 as, eh bien, c'est le coup de chance à l'horizon, les amis. Mais de toute façon, on le voit, vous avez un beau tirage. Alors, il est question d'avoir des nouvelles de votre maman au niveau famille. Ou vous, des nouvelles de l'immobilier, de la maison, dans votre foyer. Si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Également question d'avoir des nouvelles de votre maman. Alors, votre maman, on va peut-être aller voir le docteur aussi. Peut-être être question de médecin également pour votre fille, votre sœur. Ou tout simplement d'homme officiel. Quoi qu'il en soit, il y a également peut-être une signature en lien avec le travail, avec le domaine professionnel, avec le foyer, la famille, si c'est pour travailler de chez vous, d'acheter quelque chose pour créer une petite société chez vous d'ailleurs. Eh bien, en tout cas, c'est une réussite. Dans le domaine professionnel, pour certains, vous avez une réussite concernant un nouveau départ qui touche le financier. On voit très bien que vous avez fait des déplacements, des petites démarches pour signer quelque chose avec des gens qui ne sont pas toujours très honnêtes. Hein. On voit également qu'avec certitude va être validé, sous un petit retard, un très grand changement. Voilà les amis. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs pour notre mercredi 28. Mercredi 28 juin. Mercredi 28 juin. Mercredi 28. Vous voyez clair dans une certaine situation. Peut-être que certains ont des dons de voyance également. C'est peut-être ce que vous voulez mettre en place de chez vous. Hein. En tout cas, vous jouez également votre petite voix intérieure. On vous le reproche. Ah, ben alors, vous savez, j'ai l'impression qu'on vous reproche quelque chose. Ça vous a mis pas bien quand même. Hein. On voit que, voilà, on vous a peut-être reproché de rater quelque chose. Hein. Bon, c'est les amis qui vous ont posé un problème, les amis, oui, c'est le cas de dire. Alors, quoi qu'il en soit, il est bien question de nouveau départ. De toute façon, il y a un grand oui. Donc, nouveau départ peut-être pour créer quelque chose. Peut-être que vous voyez clair dans la situation. Vous savez qu'on vous a trahi par le passé. En tout cas, vous allez signer quelque chose et c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, et hop. Alors, au dos, nous avons... Nous avons le sentiment d'échec. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi. Alors, peut-être aussi qu'avec des amis, ça n'a pas fonctionné. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, de toute façon, qui est bien perçu très officiellement, hein, d'ailleurs, perçu comme un cadeau, ou alors main tendue, officialisation d'un coup. Waouh, et c'est la victoire. On démarre quelque chose. Pour certains, peut-être qu'il y a une histoire de naissance également, hein, qui est perçue comme un beau cadeau, cadeau du ciel. C'est une belle victoire. Pour d'autres, nouveau départ. Que l'on officialise d'ailleurs, après avoir eu un petit moment où des amis ont essayé de vous dire non, tu arriveras pas, vous voyez, un truc comme ça. Bon, en dominant, nous avons le compromis, bah oui, la signature. Il y a bien quelque chose qui est acté, les amis, hein, pour cette journée. Alors, ça vous a un petit peu miné, ça vous fait peur. Hein. Bon, rien de bien grave, ça peut être dans le travail, on décide enfin quelque chose, suite à un mal-être également, ou bien dans l'activité de tous les jours. Regardez, miroir magique, très belle protection. Vous êtes archi protégé. Alors, ce miroir magique, eh ben, il va y avoir un retournement, en fait, un effet de par rapport à ce qui vous est arrivé ou ce que vous avez mis en place. Eh bien, cette protection qui revient là. Retournement de situation, j'ai envie de dire. Un bel effet boomerang. Et regardez ça. Eh bien, oui, c'est la chance qui revient, les amis. C'est cyclique. La chance qui revient sur les accusations, vous êtes protégé de toute façon. La chance qui revient sur cette jalousie, vous êtes verni quand même. Hein, vous vous en séparez de tout ça. D'accord, c'est fini. On se sépare de tout ça. C'est un grand oui. On passe à autre chose. Regardez ça. Culpabilité. Peut-être que vous, vous vous culpabilisez un petit peu, hein, de vous séparer de toute cette négativité. Mais il le faut, hein. C'est pas comme ça qu'on avance, hein, les amis.
Regardez, vous actez, vous signez, vous prenez une décision en tout cas. Nouveau contrat, nouveau démarrage. Ah ah, peut-être aussi qu'on signe un prêt. En tout cas, il y a l'argent qui est là. Bon, eh bien, dites-moi, c'est plutôt sympa. En tout cas, il y a un compromis, il y a un arrangement qui est trouvé, hein, sur cette jalousie, sur cette culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez, justement. Alors, il y a un effet boomerang là qui revient. Hein. Ça vous avait un petit peu bloqué par un retour de situation. On signe, on met un engagement. Un contrat intervient, une signature. On se met d'accord sur quelque chose dont on se sépare. Et c'est perçu comme un beaucoup de chance. Alors, peut-être maintenant, certains d'entre vous vont signer un, comment on appelle ça, conventionnel. Vous savez, au niveau travail, rupture conventionnelle, et on voit qu'il y a l'argent qui est là. Hein. Peut-être que par rapport à votre travail, pour certains. Hein. Après, si c'est une séparation purement et simplement, eh bien, peut-être qu'enfin c'est signé, ça intervient, cette histoire d'argent, de pension, pension enfant ou pension alimentaire. Hein. Bon, on voit qu'en tout cas, la chance va revenir dans votre travail, dans votre activité de tous les jours. Une augmentation peut-être, soi-disant, hein, qui tardait et qui arrive. C'est un grand oui en tout cas. Bon, vous avez rendu responsable de quelque chose, c'est pour ça que ça vous avait peut-être miné. Mais en tout cas, vous avez la carte la plus forte, les amis. Hein. Allez, je vais en mettre une sur... il y en a pas mal à mettre. Hein. Allez, culpabilité, jalousie, enfermement. Oh, oh. Allez. On va voir si elles sont adoucies. Mais vous avez le miroir magique. Hein. Je ne devrais même pas parce que vous avez le miroir magique, la carte la plus forte. Culpabilité. Ça vient. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez partir à l'étranger. Mais peut-être aussi que c'est pour ça que vous culpabilisez. Hein. Le fait que vous allez certainement pouvoir partir. La jalousie. Vous allez apprendre un SMS, un courrier. On va vous envier. Vous allez peut-être l'apprendre par écrit. L'enfermement, mais ça va prendre fin, les amis. Et ça, c'est tant mieux. Et l'accusation, c'est la famille. Bon, il y a eu des soucis peut-être par le passé avec la famille. D'où cette histoire peut-être de séparation. Vous êtes séparés ou vous allez vous séparer de la famille. Voilà. N'oubliez pas, vous avez le miroir magique. C'est la carte la plus forte. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre mercredi 28 juin. Monsieur Béline, mercredi 28. Mercredi 28. La méchanceté qui est encore là, les ennemis. Oh là 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 là, ils nous font suer. Hein. Alors, c'est peut-être un souci avec votre maman, une dispute avec une personne plus âgée. Bon, en tout cas, regardez, vous avez l'appui derrière. Hein. Voilà, et c'est la famille. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez des soucis avec la famille qui sont assez méchants. Mais regardez, vous avez quand même l'appui qui est là. Donc, de toute façon, tôt ou tard, vous allez recevoir un appui, que vous vous en rendiez compte ou pas. Hein, je veux dire, voilà, l'appui est là, on veille sur vous. Une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous avons alors, nous avons vous, ma consultante, avec quelque chose de beau qui se présente à vous. Pour quelque chose de beau, peut être une grossesse, une naissance autour de vous, petit-fils, fille, ou vous, si vous êtes bien entendu en âge, en tout cas, c'est quelque chose qui est beau. Hein. Mais la naissance d'un enfant, la grossesse est toujours beau. Elle a peut-être mis du retard à arriver, mais elle est là. On peut voir aussi que vous avez un nouveau départ qui se présente à vous, un nouveau départ, quelle que soit la situation qui a mis un petit peu de retard, parce que ça n'avançait pas. Quelque chose avec lequel vous êtes fortement très lié, et ben si c'est dans la maison, dans la famille, c'est du beauté, c'est de la quelque chose de beau qui se présente à vous, les amis, et vous avez l'appui. Waouh, waouh, waouh. Alors, quelque chose prend fin. Bien. Eh bien, si ça prend fin, c'est parfait. Alors, ça peut être, du coup, on va le fêter, cette situation. Hein. On va vraiment être content que ça prenne fin.
On a agi avec sagesse, on va le fêter avec sagesse également, avec simplicité. Les choses ont avancé tout doucement, mais ça peut être également en lien avec votre une maman, une personne âgée. Et vous avez la réussite, donc l'opportunité de réussir. La chance avec vous. Il peut y avoir cette chance concernant le financier, comme on l'a vu tout à l'heure. Une demande de crédit acceptée, enfin, quelque chose qui est signé par rapport à de l'argent qu'on vous devait. Voilà, vous le mettez à votre situation. Hein. Et autour de ça, il y avait les ennemis. Hein. On voit qu'ils sont là, qui rôdent et qu'ils ont rôdé. Eh bien, regardez ça. Vous avez la carte la plus forte, les amis. Donc, j'ai envie de dire, on s'en moque. La passion, l'amour, sentimental, l'émotionnel, tout est fait avec vraiment passion, ce que vous allez mettre en place dans l'activité professionnelle, création de travail, nouveau job, nouveau travail, quelque chose, un accomplissement au niveau travail, mais également dans l'activité de tous les jours. Et on voit bien que de toute façon, vous avez des ennemis. Hein. Belle élévation, les amis, belle réussite professionnelle dans l'activité de tous les jours. Quelque chose arrive, un éclaircissement, vous allez découvrir que enfin les choses vont être mises à plat. Ça va s'arranger et vous allez pouvoir partir de tout ça. Vous allez pouvoir partir de cette méchanceté. Vous allez pouvoir partir concrètement si tel est le projet que vous avez de départ. En tout cas, on voit que ça prend fin, vous avez une belle élévation, vous avez une super protection. Avec les clés, la réussite. Vous allez fêter ça, hein? Vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que certains vont découvrir l'amour, la passion. D'autres vont découvrir que eh bien, c'est que du bonheur qui arrive quand l'argent arrive. Vous avez aussi bien géré sagement votre argent. Vous allez pouvoir partir, mettre en place quelque chose qui peut être dans l'activité professionnelle ou l'activité du moment. Attention cependant aux ennemis qui peut être peut-être un petit souci avec une maman. On peut être accroché... disputer avec sa maman ou bien également au niveau professionnel, il n'y a pas que des gens sympathiques. Vous avez un beau tirage, hormis les ennemis, mais que de toute façon vous avez la carte la plus forte. Vous allez avoir une certaine... Vous allez être éclairé, un éclaircissement, bah, doublement d'ailleurs, hein, qui peut être en lien avec votre activité ou professionnelle ou bien familiale. Mais en tout cas, vous allez avoir la face... J'ai envie de dire doublement la réaction, on va dire, sage ou de ne pas bouger. Ou de laisser couler, de laisser faire les choses, parce que de toute façon, les gens s'en mordront les doigts les premiers. Voilà. Allez. Les choses ont tendance à s'arranger. On va terminer avec une petite carte. Pour cultiver la joie de vivre. Petite boîte jaune, tout ensoleillée. Allez. Pour notre mercredi 28. Hop, pour nos vierges. Je me souhaite un bon anniversaire tous les mois, peu importe les années qui défilent. On peut chaque mois, chaque semaine, chaque jour même, honorer la vie qui nous anime et la fêter. Capricorne, je me réjouis du temps qu'il soit, quel qu'il soit. La pluie nourrit la terre, le vent chasse les nuages. La neige offre un spectacle fascinant. Quelle perte de temps que de se plaindre du climat et quelle ennuyeuse conversation. Mieux vaut garder son énergie pour se réjouir de ce que chaque situation apporte. Balance. Je néglige ma mauvaise humeur. La placer en dehors de soi, la regarder, la considérer comme un objet, c'est ainsi que bientôt elle nous deviendra étrangère, car ce n'est qu'une humeur, et comme telle, elle est essentiellement passagère, éphémère. Taureau. Si je démarre une nouvelle activité artistique et que le plaisir n'est pas immédiat, je patiente jusqu'à ce qu'il se manifeste. Ce plaisir né de l'activité grandit avec les progrès, il en est même le signal. Cancer. Je change d'itinéraire pour rentrer chez moi. La vie quotidienne est jalonnée d'habitudes qui ne laissent pas de place aux joies simples. Il suffit de changer de route, d'acheter le pain dans une autre boulangerie, d'aller faire ses courses à une heure inhabituelle pour sortir de cette usure routinière et de retinter de joie ces actes banals.
Scorpion. Je vais revoir un spectacle ou une œuvre d'art que j'ai particulièrement aimé. Ce faisant, on renouvelle le plaisir et on alimente de nouveaux aspects, de nouveaux détails que l'on n'avait pas vus la première fois. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé lors d'un film, de le regarder une deuxième fois et de m'apercevoir qu'il y a des choses que je n'avais pas vues. Lion. Je repense avec amour à l'enfant que j'étais et je lui souris. Cet enfant est toujours vivant en nous. Il a besoin d'être aimé par l'adulte que nous sommes devenus. En retour, il lui renvoie de la joie, un sentiment que les enfants éprouvent avec beaucoup de facilité, plus de facilité d'ailleurs que les adultes. Bélier. J'accomplis ma vie calmement, un acte après l'autre, sans mélanger action présente et projection dans le futur. Ainsi, l'esprit ne s'encombre ni ne s'embrouille. Les gestes sont plus justes. Nous pouvons être pleinement à ce que nous faisons et en tirer d'intenses satisfactions. Sagittaire. Je fais la liste de mes qualités et je me réjouis d'être cette personne unique. Ce n'est pas si facile, car une culpabilité sournoise nous empêche de jeter sur nous même un regard approbateur. Il faut s'entraîner. Gémeaux. Je fais la paix en moi. Cet espace intérieur, il faut le visualiser comme un magnifique paysage dont rien ne peut venir troubler la quiétude. Cet exercice régulièrement répété finit par créer un véritable état de sérénité. Verseau. J'ouvre un dictionnaire au hasard et je picore un mot ici, un mot là. C'est une façon agréable de laisser l'esprit vagabonder. On perçoit ainsi les liens qui se tissent entre les choses, ce qui à la fois nous libère de nos obsessions et nous relie au vaste monde. Et nos poissons. Je m'offre une séance inhabituelle de détente, piscine, sauna, sieste sur une pelouse. Il est essentiel de renouer le contact avec un plaisir physique et sensoriel trop souvent oublié, en se l'offrant aussi souvent que possible, en pensant à son corps comme à un ami fidèle, on augmente sa joie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du mercredi 28 juin 2023 vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre soutien. Merci de mettre des pouces j'aime. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Ça ira d'abord, on va faire la journée. Et je vous dis à demain.